C'est vrai qu'on a un côté circassien, parce que les références de gens qui font des choses avec des violons un petit peu qui sortent de l'ordinaire, c'est plutôt dans le cirque qu'on les trouve. Mais j'avais envie qu'il y ait un vrai développement, surtout qu'on prenne les spectateurs à un endroit, qu'on leur fasse faire un voyage et qu'on les lâche qu'au bout de l'histoire. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça. On peut dire que la bourrée, c'est pas vraiment une danse de couple, parce que c'est pas un couple qui la danse. Il y a la bourrée, ça se dansait entre hommes, ça se dansait entre femmes. C'est une danse de personne à personne. Quand on danse la bourrée, on est vraiment d'égal à égal. Les musiques qu'on joue, c'est des musiques de tradition orale. Elles viennent de gens qui les jouaient avant nous. Ce que je trouve bien moi, dans ces musiques, c'est qu'elles viennent un petit peu de nulle part, quoi. Il y a des gens qui les ont jouées avant, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et elles servaient à faire danser, à rythmer la vie, à un petit peu tout ça. Et en fait, nous, on s'en sert aussi aujourd'hui, un petit peu à notre manière. Et il y a d'autres gens qui les joueront après. Et voilà, moi c'est ça que j'aime bien, ces musiques-là. Après, d'où est-ce qu'elles viennent? C'est des musiques traditionnelles, donc on se les transmet comme ça de personne à personne, ouais, c'est vraiment ça que j'aime bien. Depuis longtemps, de mon point de vue, faudrait voir ce qu'il en pense, je trouve qu'il y a pas mal de complémentarité en fait. On est à la fois très différents et puis très complices. Et moi j'irais vers un rapport de fratrie. 1, 2, 3, 1, 2, 3.